Bonjour, nous sommes à Sezancé, ancien village viticole situé près de Lons-le-Saunier, niché au pied des premières collines du Mont Jura. Sezancé offre une vue imprenable sur la plaine de la Bresse chalonnaise, très pittoresque en été. On y trouve pas moins de 8 fontaines et plusieurs lavoirs. Ici, nous rencontrerons Magali, artisan couturière, et Marvin, 12 ans, qui a créé sa boîte à livres. Bonjour Magali. Bonjour. Dites-moi, il est étonnant votre atelier en plein milieu de ce petit village de Sezancé. Bah écoutez, oui et non en même temps, parce que je suis habitante du village, donc ça tombait sous le sens de s'installer dans une des dépendances de la maison. Donc je fais des sacs, des porte-clés, des pochettes pour les téléphones, je fais aussi beaucoup pour les bébés. En liste de naissance, des couvertures, des doudous, des tapis de jeu. Je fais de la déco aussi. Et puis tout l'univers de le linge de maison avec des torchons et des tabliers en cuir et en coton et en lin ancien. Je suis référente cadeau. C'est ça pour mes clients. Ils viennent chez moi pour offrir. Un cadeau original. Voilà, et unique. Parce que ce ne sont que des pièces uniques. Il n'y a pas de série. Tout sort de ma tête. J'ai commencé à coudre en attendant de tomber enceinte de ma fille. Donc ça remonte maintenant à 12 ans. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait de plus en plus de choses. Et puis pour ma fille, pour mon fils, pour les copines, les enfants des copines. Et puis la vie a fait qu'il y a 2 ans, j'ai décidé de me lancer. Voilà. Donc vous avez appris à travers les livres, à travers en faisant, en démontant des choses que j'avais. On voit comment c'est monté avec des vidéos, avec des livres, avec d'autres couturières. Alors ça veut dire quoi la BAB alors ? La BAB, la boîte à bonheur. Écoutez Magali, je vais vous laisser terminer. Votre travail et puis bonne continuation à vous. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir Vanessa. Au revoir. Bonjour. Bonjour. J'avais rendez-vous avec moi. J'ai Marvin. Oui. Ah super. Je te cherche depuis au moins une demi-heure. Ah. J'ai fait tout le tour du village. Ah oui. Mais voilà, t'es là. Qu'est-ce que tu fais ? Bah, je tamponne mes livres dans la boîte à livres. Pour le, comme ça, on ne les vend pas. Et tu écris quoi dessus sur ton tampon ? Boîte à livres, ne pas être vendue. En bas, c'est magazine. Oui. Après, c'est livre enfant. Et après, les 3 étages du haut, c'est pour l'adulte. Tu en as combien là de livres ? Bah, une trois centaine, je pense, 300. Bon. Ah, quand même. Je pense. Hein. C'est très bien ce système de boîte à livres, parce que j'en avais déjà vu, on en a plusieurs. Et en fait, pendant le confinement, je me suis dit, pourquoi on n'en fait pas une chez nous ? Et en fait, du coup, on en a fait. Et en fait, mon papa m'a aidé pour la construire. Quand ils se promènent, ils viennent, ils vont à la boîte à livres et après ils prennent des livres, ils en remettent et ainsi de suite en fait. Est-ce que tu as déjà rencontré des gens qui viennent t'en prendre des livres ? Oui, oui, oui. Et qu'est-ce qu'ils te disent ? Bah, ils me disent que c'est bien et que c'est très bien fait. Alors, tu me conseilles lequel ? Bah, je sais pas, mais moi je prendrais un de cette collection. Mon histoire du soir. Ah oui. Je vais te le prendre aussi, celui-ci. Ouais. Je vais prendre celui-là et puis bah, la top. Okay. La top. Les gens, en fait, quand ils s'allaient ici, ils vont aussi voir les poules. Bah, allons-y. Allons-y. Tu en as combien de poules ? 12, je crois. 12 ? 12 ou 13. Il y a différentes variétés ? Oui, oui, oui. Les colorés au milieu ? Oui. Et après, les couleurs un peu unies. Et pourquoi alors les poules ?
Oh, parce que j'aime bien ça et tout. C'est joli et ça fait des œufs. T'aimes bien l'omelette? Non. Ce rendez-vous chez vous à Sezancé est à présent terminé. Je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro.